Radon Sword, tu peux nous lire un peu en anglais là-bas? Swahili, lis-nous un peu en anglais sur ce passage 6, à Luc 6, 13. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Quand l'anglais dit choose 12 of them, c'est-à-dire quoi? Wakati ingereza nasema kuchagua 12 wa wao. Même en français ici, il a choisi 12. Wanasema anachagua 12. Il a choisi parmi tous ses disciples. Il a choisi seulement 12. Il a seulement choisi 12. Et c'est à ces 12 que Jésus a donné le nom d'apôtre. Savez-vous ce que signifie apôtre? Savez-vous ce que signifie apôtre? Apôtre signifie envoyé. Même les prophètes Branham dit ça. Je n'ai pas appris ça, c'est dans la prédication intitulée Notre position en Christ. Je n'ai pas eu le temps de dire. C'est quoi dans ma carte à couille? Le print, ça. C'est dans Notre position en Christ. Paragraphe 16. Où il dit apôtre, c'est un envoyé. Voyez. Alors, ce sont ces 12 là que Jésus a choisi. Il a donné le nom d'apôtre. Qui signifie apôtre? Qui signifie envoyé? C'est-à-dire les envoyés d'aller prêcher la parole de Dieu. Ce sont seulement les 12 ici. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit, c'est ici que Jésus a appliqué Éphésiens 4 et 11 avec ces 12 ici. Vous voyez, mon frère et ma soeur. Même leurs noms sont là, on continue, on cite leurs noms, où on cite leurs noms. Verset 14, Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, Judas, fils de Jacques, et Judas, Iscariote, qui devait délivrer. Lui aussi c'était un apôtre. Lui aussi c'était un prédicateur. Jésus lui a donné le nom de prédicateur. Sachant que c'est un fils de perdition. Jésus savait bien avant que Judas, c'est un fils de perdition qui va se perdre. Mais malgré tout, il lui a donné le nom. Il lui a donné le ministère. C'est pour dire que le ministère n'est pas l'évidence du salut. Que les femmes qui sont dans les dénominations comprennent que le ministère prêché n'est pas évidence du salut. Dieu connaît. Si Dieu leur a dit de ne pas prêcher, Dieu ne les a pas privés de salut. Comprenez-vous les femmes qui sont dans les dénominations? Comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous allez rester dans la confusion et servir Dieu en dehors de sa volonté. Je pense que jusque là c'est clair. Tout le monde était disciple, mais tout le monde n'était pas apôtre. Il n'y avait pas que 12 hommes. Il y avait d'autres hommes à qui Jésus n'a pas donné le nom d'apôtre. Vous voyez, ce ne sont pas tous les hommes qui sont des prédicateurs. Non. Et même Jésus, en leur donnant le ministère, il n'avait pas demandé l'avis de Pierre. Pierre, que penses-tu?
lui-même Dieu connaît, voilà. Il y a quelque chose dans cet homme que j'ai mis dedans pour me servir. C'est lui-même qui a les yeux pour moi. Voilà. Ça, nous sommes encore au premier point qui traite des dons en son premier sous-point. Ah. Le premier sous-point, nous avons dit, il s'agit de Ephésiens 4:11. Voyez mon frère et ma soeur. Nous devons comprendre ces choses pour bien marcher avec Dieu. Ça fait partie de l'ordre. Ça fait partie de l'ordre dans le royaume de Dieu. Pour que nous ne puissions pas marcher dans la confusion. Vous voyez, même là, on avait dit dans 1 Corinthiens 14. Paul dit, il n'est pas permis. Aussi, oui. Bon, lisons un peu cela. Ephésiens 14, on avait dit. Hein. Oh, 1 Corinthiens 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Wanawake wanyamaze katika makanisa sababu hawana ruhusa kusema lakini watii kama sheria inavyosema vile vile. Je pense que la fois passée, si vous vous souvenez, nous avons dit l'hôpital comme nakumbuka, où on nous dit que la femme n'est pas autorisée de parler dans l'église. Je pense qu'on avait parlé de quoi de ça. Je pense qu'on va faire, on va un peu parler en détail de ça. Quand on va parler du deuxième point concernant aussi les dons. Parce que nous sommes en train d'abord de parler du premier sous-point. Qui parle des dons, c'est-à-dire Ephésiens 4:11. Les ministères. Quand on va parler de, on va prendre le deuxième sous-point. C'est là qu'on pourra encore revenir ici. Parce que vous dites parler, c'est-à-dire l'église, la sœur dans l'église. Faudra aussi comprendre. On en parlera. Bon, ici, vous voyez, Paul dit qu'il n'est pas permis aux femmes de parler. Ici, le parler, c'est en terme de prêcher. Si je dois directement dire ça, c'est en termes de prêcher. Vous me comprenez, frères et sœurs? Parce que quand nous chantons ici, quand on chante, est-ce que les sœurs ne chantent pas? Mais chanter, c'est aussi parler. Quand quelqu'un chante, il parle. C'est pour ça qu'il faudra comprendre le langage de Dieu. Vous voyez? Quand quelqu'un chante, il parle. Vous voyez? Une sœur peut avoir un cantique spécial et demander l'autorisation. On va lui accorder. Elle peut se tenir debout chanter dans l'église. Mais cela n'est pas prêché. Oui. La manière de parler qui est interdite à la femme ici, c'est de prêcher. Comme moi je suis ici, c'est de prêcher. Quand quelqu'un parle et quelqu'un chante, vous allez trouver la différence. Pardon. Quand quelqu'un prêche et quelqu'un chante, vous ferez la différence. Et en tout cas, celui-ci prêche. Et c'est ce que la femme ne doit pas faire. Mais chanter, elle peut chanter. Vous voyez? Non. Il y en a qui disent non, c'est seulement dans l'église. Mais à l'extérieur, tu peux aller au marché prêcher. Non. Parce qu'ils disent non, Paul a dit dans l'assemblée, c'est malade. Non. Parce que les écritures se complètent. Tu dois chercher à avoir raison devant cette écriture. Il y a encore une autre écriture qui doit te couiller. Quelqu'un qui cherche à se défendre à partir d'une écriture quelconque, ça va. Oui. On prendra encore une autre écriture qui va maintenant te faire taire. 1 Timothée 2:12.
2 Timothée 1 Timothée 2 on commence 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est Paul qui dit. Le Saint-Esprit dans Paul. Il y en a qui disent que. Ça, c'est Paul qui a dit. C'est comme ça que sont les gens. Quand ils sont en présence de l'Écriture, qui condamnent les traditions, ils cherchent toujours des échappatoires. C'était le Saint-Esprit dans Paul. Et Dieu est d'accord avec ce que disait Paul. Mais les mêmes Paul. Quand il dit quelque chose qui arrange tout le monde, là on accepte. Oui, c'est ce que font les gens. Nous, nous devons nous soumettre à Dieu. Que cela nous arrange, que cela ne nous arrange pas, nous allons croire parce que c'est papa qui a dit. C'est notre papa Dieu qui a dit. On doit se soumettre à lui. Et c'est là que se trouve notre bénédiction. Voyez, ne discutez pas avec Dieu. Croyez seulement. Oh, c'était seulement à ce temps-là. Les femmes de l'église de Corinthe étaient